Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 18 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'accepte. J'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne ici-bas et maintenant. Aujourd'hui, j'ai pigé silence. Silence. Est-ce que vous parvenez à faire du silence autour de vous et à être silencieux, silencieuse? Vous pouvez être proche de vous-même sans penser, juste en cultivant votre silence intérieur. Vous étirez le temps. Vous vous connectez, eh bien, à votre source de vie, n'est-ce pas? En lâchant l'envie de tout comprendre. Vous êtes tout simplement là, présent et vivant. Vos pensées, eh bien, ne sont pas qui vous êtes, n'est-ce pas? Elles sont souvent des croyances issues du passé ou des projections sur l'avenir. Alors, je vous le demande, pourquoi en être dépendant? Ces croyances limitantes, n'est-ce pas? De notre enfance, de notre jeunesse, de notre adolescence. Pourquoi? Pourquoi en être dépendant? En méditant ou en portant votre attention sur votre respiration, encore une fois, vous accédez à cet espace de paix intérieure silencieux qui vous relie à votre âme. D'où le yoga, vous savez, quand on fait du yoga, d'où lorsque on médite, on fait du mantra, on fait le vide. On prend la posture du yoga et puis on fait le vide dans notre tête. Ce qui n'est pas facile, je le conçois. Mais ça, avec cette respiration, inspiration, expiration, à partir du moment où on est focalisé sur notre respiration, eh bien notre mental ne véhicule plus, n'est-ce pas? Nos pensées, on ne les a plus parce que nous sommes axés sur notre inspiration, de la façon dont on respire. Ralentir son rythme, eh bien cela demande de la persévérance et de la pratique. Et on peut voir le bouddhisme, les bouddhismes, quand ils font leur prière et puis qu'ils font le vide, c'est impressionnant, ce mental qui n'est plus là, ils font le vide. Je pense qu'ils pourraient avoir de la musique autour d'eux, ben, ils ne l'entendraient pas tellement qu'ils sont, eh bien, ils sont... Ils sont dans leur truc, dans leur trip, dans la pratique. Et en vous libérant du pouvoir de votre esprit, pensant, eh bien, vous co-créez votre vie, guidé par votre sagesse intérieure. Oui, ralentir son rythme demande de la persévérance, n'est-ce pas? Et beaucoup, beaucoup de pratique. La méditation... demande de la pratique pour y arriver. Lorsque on ne le pratique pas journalièrement, il est très difficile de méditer. Parce que c'est quoi méditer? C'est revenir à soi et juste penser à quelque chose de bien précis. Et de méditer, faire le vide en fait. C'est pas facile, moi il m'a fallu du temps
pour y arriver. Et il y a quelques fois que... Allez, lorsque je médite, parce que je médite journalièrement, il y a quelques fois où ma caque, elle est débordante. Voilà, c'est difficile de faire le lâcher-prise. Hein. Alors, on va faire aujourd'hui, eh bien, porter votre attention sur votre respiration, encore une fois. La respiration, ça, c'est beaucoup, hein. Mais vous le savez, pour vous, les personnes qui avez mis au monde un enfant, la technique de la respiration lorsqu'on a une contraction, voyez, c'est même quand ce n'est pas dans la spiritualité, bien vous apprenez la technique de la respiration. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Portez votre attention sur votre respiration. Vous êtes bien au calme, assis, les pieds bien ancrés sur le sol. Et vous allez faire une grande inspiration, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous allez bloquer votre respiration. Et dans cet espace de paix intérieure, vous êtes connecté, eh bien, à la grande âme. C'est quoi la grande âme? L'énergie universelle. Et expirez lentement. Et lorsque vous avez expiré complètement l'air, bloquez de nouveau votre respiration. Les poumons vides jusqu'à ce que vous laissiez revenir votre inspiration. Et sentez alors que la vie est plus forte que votre volonté. Alors je vous invite à vous amuser pendant 5 cycles de respiration à cette visualisation. Faites-le et vous allez ressentir le bienfait que cela vous apporte. Et le mantra d'aujourd'hui, ça sera « Je peux faire le silence en moi ». Je peux faire le silence en moi. Très beau message, je termine par le secret au quotidien. Et nous sommes le jeudi 18. Selon la loi de l'attraction, il ne convient pas de combattre la maladie pour l'éradiquer. Si vous décidez de lutter contre une maladie, toute votre attention sera alors canalisée sur cette lutte et nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons. Laissez les médecins que vous avez choisis faire leur travail et concentrez-vous sur votre bien-être. Pensez bien-être. Parlez bien-être et imaginez que vous êtes en parfaite santé. C'est un très beau message. On se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.